Prenez le large avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est ensemble pour une heure sur le 92.1 et j'ai avec moi un invité aujourd'hui qui est Francky du Mur Vert. Bonjour Francky. Bonjour Jessica. J'espère que tu vas bien. Très bien. Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas nous présenter ton activité. Tu étais déjà venu il y a... Oula, tout ça ? Oui. Un an ? Déjà, au moins. Au moins tout ça. On s'était déjà retrouvés dans les studios de Radio Grand Lac pour parler du Mur Vert. Tu vas tout nous dire, tu vas te présenter avant tout. On veut tout savoir. Alors. À toi, les micros. Alors, on a lancé une activité pour la décoration d'intérieur qui est donc de la décoration végétale. Donc, nous sommes une société qui est à Drumettaz-Clairafond. Et donc, on a à peu près maintenant 4 à 5 ans d'activité. On est 3, donc il y a Nathalie Rivet, il y a Lionel Charvet et donc moi, Franck Mantois. Donc, on est 3 associés. On a fait au départ un atelier partagé avec un groupe d'artistes. Et puis, petit à petit... Voilà, la demande des murs végétaux, de la décoration végétale naturelle sans entretien surtout. On va expliquer effectivement venue. Après ce que c'est parce que c'est génial, c'est un super concept. Et effectivement, du coup, après, c'est arrivé naturellement finalement. Ça s'est fait tout seul. Ouais, ça s'est fait tout seul. Alors on salue tes collaborateurs, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais on leur fait un petit coucou. Certainement, j'espère aussi. Ouais, ouais. Donc bonjour à eux et tu vas nous expliquer juste après le concept, ce qu'est la végétation stabilisé, c'est ça. Tout à fait. Alors toi, Franck, parle-nous un peu de toi. Donc la société que tu as créée il y a 4 ou 5 ans, elle découle d'une envie suite à une demande. Alors ouais, l'histoire est un peu plus. Enfin, c'est une découverte que j'ai fait à Monaco. J'étais représentant. J'en ai des lunettes dans les magasins d'optique. D'accord. Et donc j'avais été voir un magasin qui était donc à Monaco et il y avait fait tout un mur en fin de compte avec de la mousse plate qui était collée au mur. Et puis j'ai découvert ça, j'ai dit mais c'est une super idée, c'était super joli. Donc je lui ai demandé comment ça tient, pourquoi il n'y a pas d'arrosage, enfin t'es obligé d'arroser, comment elle tient cette mousse. Et puis donc il m'a expliqué un petit peu le concept, j'ai trouvé ça fantastique. Donc après, il s'est avéré que dans ma vie professionnelle, j'ai arrêté un peu cette activité d'optique, de représentant, de voilà, faire de la route, etc. Et donc après, je suis donc revenu, parce qu'on revient toujours sur cette terre natale, hein, finalement. C'est ça, tout à fait. Et donc je suis revenu à Aix-les-Bains. Et sur Aix-les-Bains, donc j'ai créé ma maison pendant la période de chômage que j'ai eue, hein, comme on a tous vécu ça à un moment ou un autre de notre vie. Mais en même temps, moi, j'en ai profité pour faire ma maison et puis en même temps pour faire mon atelier qui était un projet du mur vert que je voulais développer à mon activité professionnelle et inventer mon activité professionnelle parce c'est que ça. C'est un peu ça. C'est la créer finalement, c'est ouais, ça, j'ai créé... un vrai coup de cœur. Donc voilà, c'est une création d'entreprise, mais c'est en plus une création d'activité ouais, parce qu'elle n'existait pas finalement. Donc j'en étais dans les précurseurs. Hein. Je ne dis pas qu'on était les premiers, parce qu'il y en avait d'autres hein, quand même qui ont démarré sur d'autres régions avant nous. Mais dans la région, on peut dire qu'on était quasiment les précurseurs et donc... C'était un véritable coup de cœur. Ouais. Mais c'est génial après de faire de son activité, enfin d'un coup de cœur de faire une activité. Et puis de créer son métier finalement, parce que c'est une création de métier. Voilà, c'est ça n'existait pas. Et dans une branche, comme tu dis, qui est particulière. Ouais, donc c'est pour ça que on n'est que dans la décoration végétale d'intérieur. D'intérieur, mais tout sans entretien. C'est terminé, c'est ça. Ouais. On ne fait plus des murs végétaux conventionnels avec les bacs à eau. Les évacuations qu'il faut prévoir, les insectes, les odeurs, parce qu'il y a des plantes qui vont pourrir, il y a des gouttes à gouttes, tout ça, ça c'est vraiment terminé. On n'en parle plus de ça. Oui, on part en extérieur, bien sûr, qui reste d'actualité, mais en intérieur, c'est fini. C'est génialissime. Alors, du coup, on va développer un petit peu juste après. Tu vas nous expliquer comment ça marche, justement, et puis nous expliquer, au final, comment l'installer. On parlait là, justement, que c'était en intérieur, dans quelle pièce ça peut aller, etc. Tu vas tout nous dire juste après. On se retrouve juste après Dancing in the Dark. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica.
On est toujours ensemble sur radiograndlac.com ou bien évidemment sur le 92.1. Vous avez pu entendre le petit jingle que cette émission est présentée par Bricomarché à Grésy-sur-Aix. On salue évidemment Bricomarché s'il nous écoute. J'ai avec moi aujourd'hui dans l'émission Tendance Déco Franck Nantois qui vient représenter sa société Le Mur Vert. Franck, encore merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Viens apporter un peu de verdure dans cette journée un petit peu tristounette à l'extérieur. On parlait juste à l'instant au final, comment tu as créé le mur vert. On va voir maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, comment sont fabriqués les murs végétaux et puis dans quelles pièces on peut les placer. On va parler dans un premier temps de tout ce qui est axé sur les particuliers, c'est-à-dire les habitations privées. Et là, tu vas pouvoir nous dire dans quelles pièces on peut le mettre si on a envie, en tant que particulier, de mettre un peu de végétation chez soi. Oui, tout à fait, parce que c'est cette décoration végétale, le mur végétal naturel stabilisé sans entretien, c'est destiné à des particuliers pour leur maison, dans un salon par exemple, même on peut même ça mettre ça dans une chambre d'enfant. Il n'y a pas de dégagement de CO2, donc aucun souci, la plante est fermée, il n'y a pas d'allergie. Donc ça peut être la première solution. Et après, pour les professionnels aussi, bien sûr, on en fait de plus en plus dans les restaurants, on fait du plafond, on fait du mur, on décore maintenant... des murs végétaux, ça y est, ça, on commence à en voir un petit peu fleurir de partout et c'est que le début. Exactement. On rentre la nature dans son intérieur. Exactement. Mmh. Et alors du coup, en tant que particulier pour la toute première partie, est-ce que, par exemple, je peux mettre ça dans une salle de bain? Bien sûr. C'est bien génial. Sûr. Voilà. Faut pas que ça soit arrosé par l'eau, bien sûr, oui. Mais dans une salle de bain, on peut le faire. On le retrouve plus quand même sur des endroits où on va être amené à en profiter. C'est-à-dire surtout le salon, par exemple, ou éventuellement dans une chambre, comme un tableau. C'est plus des tableaux. D'accord. Dans les chambres. Et après, si on veut faire un mur chez soi, dans son salon, c'est la petite touche originale qui va être, plutôt dans cette pièce-là que dans une salle de bain. Ça nous a déjà fait des salles de bain, des toilettes aussi, parce que ça peut être marrant d'avoir la petite touche végétale aussi dans une toilette. Et oui. Parce que c'est une partie en plus qui est sombre, on peut pas mettre normalement de végétaux. L'avantage, c'est que justement, on va peut-être parler de on la va technique parler de, ça. Exactement, de stabiliser, technique. Comment c'est fait finalement. Tout à fait. Et alors effectivement, je pensais à la salle de bain, puisqu'à l'heure où on a de plus en plus d'avoir une salle de bain aux tendances tropicales, aux tendances vraiment inspiration de la nature, etc. Bah effectivement, ça peut être chouette d'avoir ça. Voilà, mm-hmm. C'était la petite question supplémentaire. Alors du coup, comme tu nous le disais, on peut mettre ça chez soi. Tu vas nous expliquer, parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis que c'est sans entretien, sans arroser, et donc je suppose que ça intéresse énormément de monde, puisque l'entretien des plantes, quand on n'a pas le temps ou pas la main verte, ça peut être un problème, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas envie d'avoir de plantes chez soi. Alors, explique-nous comment ça fonctionne. Alors, le procédé est très simple. C'est pas nous qui le faisons, ce sont des professionnels. Il y a deux grands fabricants dans le monde, un en Amérique latine et en Scandinave. Il y en a un petit peu, qui sont en train de se créer, mais c'est des investissements très importants. Donc, il y a des règles à respecter. Chaque plante finalement a sa technique. Le procédé est le suivant, c'est qu'on va ramasser des végétaux, on va les baigner dans une glycérine écologique, naturelle. Cette glycérine va finalement être bue par la plante puisqu'on va baigner ces végétaux dans la glycérine. Donc elle va boire cette glycérine. Elle va du coup, avec le temps, au bout d'une dizaine de jours, elle va évacuer elle-même naturellement sa sève et donc elle va boire ses glycérines. Donc finalement, on remplace naturellement la sève de la plante par de la glycérine avec bien sûr des oligo-éléments et des sels minéraux. Pour que ça puisse durer dans le temps. Finalement, donc, la plante, elle garde sa beauté, sa couleur, sa souplesse, mais en même temps, on n'a plus besoin de l'arroser, elle ne va plus pousser, elle va garder... elle s'endort. Finalement, on peut faire simple, elle est dans le coma. D'accord. Mais au même titre que nous, si par exemple on s'endort sur une plage, souvent on le fait, on s'endort sur nos belles plages de Riviera des Alpes, et on se réveille avec un beau coup de soleil, et bien le procédé de la plante, c'est le même. C'est que si on la met à l'extérieur, même si la plante est endormie, elle va faire sa photosynthèse. Donc, elle va jaunir. C'est pour ça qu'on parle que le mur vert, c'est de la décoration d'intérieur uniquement. Et puisqu'à travers l'intérieur, il y a très peu d'UV qui passe.
ou un petit peu l'été, parce qu'on va ouvrir les baies vitrées, donc voilà, on peut peut-être avoir des UV qui vont rebondir sur le mur. À travers, avec la lumière artificielle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'UV. Donc du coup, la plante ne va pas jaunir et donc notre mur, on va pouvoir le garder 7 à 10 ans en moyenne. Ça va être ma prochaine question, du coup. C'est génial. C'est fantastique parce que finalement, on n'arrose pas, on ne fait rien. Et on garde notre touche végétale pendant des années. C'est pas juste éphémère comme un bouquet de fleurs qu'on va garder qu'un jour. Oui, voilà. C'est on est quand même sur un investissement aussi, parce que c'est pas forcément donné aussi un mur végétal. Hein. On avoisine les 500 euros le mètre carré quand même. Oui. C'est voilà. Mais ça dure des années. Voilà. Donc c'est fini quoi la décoration. Et puis en plus nous on a une technique où on va créer des volumes parce qu'on a un effet 3D. Il n'y a pas que les plantes qui vont faire le volume. Il y a aussi la structure qui est très importante finalement du mur. Et cette structure finalement, on pique nos végétaux. On les agrafe pas. Du coup, on peut même relooker un mur au bout de 3-4 ans. D'accord. Ça, changer l'effet qu'il a, récupérer. Enlever les végétaux qu'on avait mis à l'époque et puis on garde le fond par contre, lui ne change pas. Et puis on va repiquer des nouveaux végétaux pour carrément relooker le mur et presque on change carrément quoi. Il y a que le fond qui change pas, donc ça évite de repartir sur un nouveau mur. Donc on peut faire en plus avec le mur vert, votre mur vert est évolutif. C'est génial parce que ce que tu appelles le fond finalement ça va être c'est comme le support. C'est la dans structure. C'est la structure dans laquelle on va venir faire la décoration avec les végétaux. Voilà. Alors cette structure est importante parce qu'en fin de compte, on ne te touche pas à votre mur. Oui. Admettons, vous avez un mur dans votre salon, vous voulez faire un mur végétal. Nous, on va venir appliquer nos supports avec des planches de MDF, hein, tout simplement, avec recouvert de mousse. On fait tout ça en atelier. Et tout a déjà été créé en atelier. Et quand on arrive, on l'amène en kit et on le reconstitue chez vous. Donc on vient se fixer sur votre mur. Dans 7 ans, vous voulez enlever le mur, on enlève juste les 4 vis par mètre carré, on les retire, en dehors des quelques trous qu'on aura fait dans le mur. Et le mur, il est nickel. Il est impeccable, il n'y a pas d'humidité, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà, exactement. C'est génial. On retrouve son mur. Donc c'est génial, c'est un super concept, finalement. Ah ben c'est cartonne, hein, ça marche fort. mais c'est génial. Et puis, alors n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook, vous verrez dans la publication qui a été faite aujourd'hui sur la page Facebook de Radio Grand Lac, vous cliquez sur le mur vert et vous allez voir les réalisations que vous avez faites. Alors il y a beaucoup de... On va en parler juste après des établissements recevant du public, des restaurants, etc. On va en parler juste après, vous retrouverez pas mal de vos créations sur la page Facebook. Alors, il y a aussi un site internet sur lequel on peut voir des réalisations, mais il y a aussi un site internet sur lequel on peut retrouver Végétal Shop. Voilà, on a deux sites. On a le site où le mur vert, donc, qui est la maison mère, où là, on va faire nous-mêmes nos créations et on va donc les installer directement dans votre salon. Ça c'est la génial. Première chose. Alors ça, c'est important de le dire. Parce que du coup, effectivement, on peut se dire ah ouais, chouette, on va se renseigner là-dessus. Par contre, si je veux faire tout un mur, bah ça peut être compliqué à installer. Vous faites aussi l'installation. Ah, on fait toutes les installations en dehors des petits tableaux. Si on a des demandes de tableaux, ou là éventuellement vous pouvez l'installer, le particulier peut l'installer lui-même. Autrement, nous, c'est nous qui venons installer. On installe, on pose, on fait toutes les finitions. On vous rend quelque chose de propre, net et de définitif. Il n'y a plus qu'à profiter. Alors, Végétal Shop, on en parlait. On peut retrouver sur le site. Donc ça, c'est le premier site, le mur vert. Deuxième site, de toute façon, il y a un lien sur le mur vert où vous avez achat en ligne. Donc ça, c'est un site de vente, purement de vente. C'est-à-dire là, on peut payer avec sa carte bleue, on peut recevoir nos commandes au lieu de passer par d'autres... voilà, là, on commande directement. Alors, on peut commander des végétaux à stabiliser, parce que c'est pas forcément facile à trouver. Et oui. Mais on peut trouver donc des végétaux stabilisés si on veut s'amuser à faire soi-même son tableau. Parce que ça peut être aussi, on n'est pas obligé de nous faire travailler, hein. Vous pouvez aussi travailler. Exactement. Pour ceux qui veulent faire un petit peu, ne serait-ce que des ateliers de décoration ou ne serait-ce qu'apprendre un nouveau métier. Parce que justement, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Il y a un marché très important et même pour créer son entreprise demain, ça peut être intéressant de faire ça dans le stabilisé. Donc, on peut déjà commencer à acheter du végétal stabilisé, de la mousse, des végétaux pour commencer petit à petit à se faire la main. C'est ce qu'on a fait il y a 5 ans. Hein. Et oui. Mais voilà. Et oui. Et puis après aussi, on peut aussi commander tout ce qui est arbres artificiels, tout ce qui est aussi la partie artificielle qu'on peut avoir besoin pour décorer un restaurant ou décorer son chez-soi, sans pour longtemps aller s'inscrire sur des sites ou des... Et oui. Voilà. Tout à fait. On peut se servir de tout ce qui est végétal sans entretien. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à commander, on reçoit et on fait soi-même. Ça peut être sympa parce que ça peut être une passion, ça peut être, comme tu dis, des ateliers, ça peut être...
Enfin, voilà, en tout cas, ça peut être aussi la fierté de se dire, bah, c'est moi qui l'ai refait. Voilà, ouais, et c'est important parce que c'est vrai que commander un tableau végétal, c'est sympa, mais le faire soi-même, bah, on a la satisfaction de, la faire, de oui. l'avoir fait soi-même. Et on puis peut c'est le faire unique. Évoluer. S'il est unique, de toute façon, on n'arrivera jamais à reproduire la même chose. Donc, aussi. Pour des personnes ne serait-ce que retraitées qui veulent s'amuser aussi à faire leur petite décoration, voilà, ça peut être la solution de faire notre métier, mais version plus petite, parce que nous on fait des grands murs, mais version passion, voilà, version passion, on s'occupe. Ouais, pourquoi pas, c'est une super idée. Donc n'hésitez pas à aller voir le Vegetal Shop. Et puis juste après, on va parler aussi de l'offre qui est réservée aux professionnels que vous développez beaucoup. Tu vas nous expliquer tout ça juste après. On va se faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que t'en penses? Avec grand plaisir. On écoute quoi? Eh ben, on va écouter AA, Take On Me. Oh, génial. Bah, elle est obligatoire dans chacune de mes émissions. Donc c'est parti, on y va. À tout de suite, restez avec nous sur le 92.1 dans Tendance Déco. À tout de suite. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble, c'est Jessica dans Tendance Déco. Je suis, je le rappelle, avec Franck Nantois de la société Le Mur Vert. À nouveau, Franck, merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. On a présenté ton activité, on a présenté la société, tes collaborateurs qu'on a salués et qu'on salue à nouveau. On vient d'expliquer comment faire pour avoir un cadre végétal ou un mur végétal en tant que particulier. On va axer cette prochaine partie d'émission pour les professionnels. Tout à fait. C'est le plus gros de votre activité, on peut dire ? Exactement. Maintenant, le mur vert fait 90% de professionnels et 10% de particuliers. C'était pas tout à fait le cas il y a encore quelques années, mais on a évolué parce qu'on fait de plus en plus de grands murs. Et donc, oui. C'est pour ça qu'on a créé justement l'activité Vegetal Shop pour qu'il y ait des gens aussi qui puissent faire des petits tableaux, des choses que nous, on fait un petit peu moins maintenant. Et donc, autant le faire soi-même, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Exactement, tout à fait. Une question qui me vient, est-ce que quand vous avez démarré le mur vert, vous auriez pensé que, justement, la plupart de vos clients seraient des professionnels? Que ça allait prendre une telle ampleur? Au départ, pas du tout. Justement, on ciblait même plus le particulier. Dans notre imaginaire, on disait, ouais, ça serait bien de pouvoir un jour toucher tout ce qui est architecte, décorateur, pour qu'ils puissent nous mettre peut-être vous sur des projets. Etc. Mais voilà, nous préconiser, mais au départ, on faisait plus de particuliers que de professionnels, et puis là, ça s'est bien inversé. Même si, bien sûr, on répond aux particuliers, hein, on ne va pas leur dire non, on fait pas parce que vous êtes un particulier, pas du Absolument. Tout. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant, on a plus d'attrait parce qu'il y a le côté marketing pour le professionnel, il y a le côté décoration pour le professionnel, et il y a le côté aussi isolation phonique. Il y a quand même trois paramètres qui sont essentiels pour un professionnel. Que ce soit un restaurateur ou que simplement une société lambda, c'est très intéressant d'avoir du végétal pour ces trois raisons-là. Et oui, on va les développer. On va les développer, exactement. C'est vrai que quand on rentre dans un restaurant, alors je pense que du fait que ça se démocratise depuis maintenant quelques temps et que vous le proposez de plus en plus, on en voit du coup de plus en plus, même dans le secteur. Hein, tu pourras nous parler juste après où vous avez posé des murs verts dans le secteur. Quand on le voit, forcément, ça renvoie à une image fort sympathique. Donne vraiment une image à l'entreprise qualitative. C'est ça. C'est difficile de définir ce qu'on ressent, mais ça donne une image vraiment qualitative. C'est vrai que quand on rentre dans une société qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir, et s'il y a la petite touche végétale en extérieur, parce que sur l'extérieur, on fait de l'artificiel, nous, on est sur son entretien, on fait aussi de l'artificiel en extérieur, parce qu'on a des produits qui sont pas Manichina mais d'Hollande, où là on a des produits anti-UV de qualité, on travaille sur du tergal, on est quand même voilà. Donc ça c'est la partie artificielle parce qu'on nous demande un petit peu d'artificiel pour l'extérieur, donc on le fait. Après par contre, dès qu'on va rentrer dans le cœur de la société ou de n'importe quelle entreprise et qu'on voit l'accueil, la personne qui nous accueille et au-dessus d'elle, on voit un mur de ne serait-ce que 3 mètres sur 2, ça fait 6 mètres carrés de végétal, on voit ça, on se dit, waouh, non seulement c'est beau, non seulement ça fait une isolation acoustique, ça empêche que ça résonne, et puis en plus, ça donne une super image à l'entreprise, il suffit qu'il y ait en plus un logo intégré, ça y est, c'est jackpot, c'est ça. Quoi. On va en parler, c'est ça, super. Ouais. Ça permet aussi d'offrir pour une entreprise qui veut se changer son image ou offrir une meilleure image, un mur végétal au sein de l'accueil, forcément tous les clients vont le voir et ils se disent tiens,
c'est une entreprise qui est tournée vers l'écologie, qui est soucieuse de ses collaborateurs, donc quelque part qui est sensible auprès de ses clients et qui est à leur écoute. C'est tous ces messages-là que ça passe finalement sans le vouloir. Mais le client qui rentre dans ce genre d'établissement se dit, bah, j'aimerais presque rencontrer le patron parce que je pense que c'est quelqu'un de bien. Non, mais c'est tout bête, c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est la force du marketing et c'est vrai. Quand on rentre, ça renvoie une belle image. Pour toutes les raisons que tu viens de dire, et puis parce que ça apporte de la décoration. Le mur, juste à lui tout seul, déjà, ça y est, il a fait la moitié du travail, on va dire. Ouais, ouais. Et l'avantage aussi, en termes de déco, on fait une petite parenthèse déco, c'est que on peut associer à tout type de décoration. Quelles que soient finalement après les couleurs et les codes couleurs utilisés pour, on parle de restaurant depuis tout à l'heure, pour le restaurant, ça va matcher, ça va aller avec. Exactement. Et oui, c'est l'avantage. Ah ouais, parce qu'on a des sociétés avec des thèmes orange par exemple, où il y a des thèmes de couleurs de l'entreprise, et on peut mélanger du végétal avec quelle couleur, que ce soit du orange, du violet, du bleu. Peu importe finalement la décoration de l'entreprise, on va se retrouver avec un mur végétal à l'intérieur, ça va pas du tout durer, au contraire. Hein. Au contraire, exactement. Ça peut être. Alors, les établissements professionnels, on parle depuis tout à l'heure de restaurants, ça peut être un hôtel, par exemple. Bien sûr, hôtel. On en a fait. On fait des hôtels, on fait des restaurants. Beaucoup d'entreprises, c'est vrai que. L'entreprise, pour donner son image, vraiment de plus en plus d'entreprises. Mais le restaurant, de plus en plus, parce que ça apporte une isolation acoustique. Voilà. Alors, donc, comment ça marche c'est ça. Parce qu'un restaurant, ça peut vite être bruyant. Si on joint l'utile à l'agréable, comment ça marche cette isolation acoustique? Alors, le procédé, puisqu'on est sur un mur avec du volume, où dedans il y a de la mousse de fleuriste, enfin c'est déjà un d'accord, peu compact, oui. Il y a de la mousse plate, de la mousse, donc c'est des végétaux, et en plus on va piquer des végétaux à l'intérieur. Donc forcément, ça va boire à peu près 70% de la fréquence des voix. D'accord, ça donc, absorbe. Ça absorbe finalement, voilà, c'est comme si on avait mis un grand tapis au mur, et donc oui. Forcément ça boit un peu les voix. Après on a aussi différentes catégories, voilà, on parle de mur végétal en général, mais on a le mur végétal multivégétal qui est donc le nature et confort, c'est ce qu'on retrouve le plus parce que ça représente la nature. Et oui. Après on a aussi une partie lichen très plat, très contemporain, et on a aussi une partie mousse boule, c'est de la grosse boule de Norvège où il n'y a que ça. Donc voilà, c'est deux thèmes un petit peu différents en fonction de ses goûts, mais dans tous les cas, l'absorption, isolation, l'absorption des voix est quasi identique pour les trois. Pour les trois. Aucun souci. Alors, c'est important ce que tu viens de dire. On va peut-être détailler justement quel visuel on peut avoir sur des murs végétaux. Alors, la meilleure façon, évidemment, de le décrire aux personnes qui nous écoutent, c'est d'aller voir sur la page Facebook. Évidemment, puisque une image vaut 1000 mots. Bien sûr. Mais du coup, ce que tu viens de nous dire, les boules mousse, tout ça, c'est différent. Ça va dépendre. Alors, comment on va savoir si, bon, déjà, il y a une question de goût, évidemment, si bien on sûr. Aime l'un plutôt que l'autre. Et après, vous, est-ce que vous proposez des associations? Parce que, admettons, on ne sait absolument pas ce qu'on veut. On se réfère, finalement, à votre savoir-faire et à vos compétences. Comment vous allez vous associer? Est-ce que ça va dépendre de l'image de l'entreprise, de ce qu'elle veut renvoyer? C'est tout ça. Le plus simple, c'est de une fois qu'on se rend compte pour faire de la décoration végétale pour une entreprise, forcément, nous, on va venir avec une multitude de végétaux différents, déjà, pour que les gens puissent toucher, puissent déjà voir un peu c'est quoi. Oui. Mais, ah oui, d'accord, c'est un peu humide, ça reste comme ça, ça bouge pas, c'est fantastique, enfin voilà. Mais surtout, il y a forcément des choses qui vont ressortir par rapport à l'image de l'entreprise. Tout dépend quelle image on veut donner, mais la plupart du temps, on a trois grands segments. Donc le lichen, le mousse boule et le multivégétal. Le multivégétal étant vraiment le plus vendu. Mais on peut avoir des choses très contemporaines avec le lichen. On peut avoir quelque chose de plus cosy pour le mousse boule. Voilà, tout dépend. Mais dans tous les cas, après, nous, on peut même faire des simulations. On rentre après dans le détail. Et puis, on vous fait choisir finalement le style de mur qui vous plaise le plus. Et oui. Et ça part comme ça. Et ça part comme ça. Mmh. Et après, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Si c'était aussi facile, ça serait. Oui. Alors, restaurant, hôtel, bureau, entreprise aussi. Beaucoup. Oui, beaucoup d'entreprises. On peut faire ça aussi dans des salles de réunion. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que forcément, c'est un moment de détente. C'est un moment aussi de partage où il peut y avoir souvent des discussions entre différents collaborateurs. C'est un apaisement.
totale des conflits. Ouais, ça marche super bien, ah, ça, mais c'est fou. Vrai. Hein. Mais c'est des gens codes... qui m'ont dit, mais depuis que j'ai le mur végétal, on s'engueule plus en réunion, c'est fantastique quand même. Hein. Bon, alors j'espère que tout le monde vient d'entendre cette phrase magique. Plus d'engueulades en réunion, plus de conflits en réunion grâce au mur vert. Non, mais ça joue, ça joue. Comme quoi, comme quoi le visuel, le visuel peut apaiser les gens. Il y a pas que le visuel, mais là, ça en fait partie. Bah évidemment, quand on rentre dans une salle de réunion qui n'est pas forcément décorée, où on sait qu'on en a pour deux heures à écouter, à participer ou pas, bah ouais, forcément, quand on arrive dans une salle qui est déjà plus décorée, accueillante et décorée, on est plus prédisposé à écouter. Ouais, parce qu'on a la nature avec nous, donc c'est tout va bien. Hein. On est zen. On a le sourire. C'est la zen attitude, ça marche. C'est ça. Alors, le mur vert, donc, du coup, qui nous pare les murs de plusieurs établissements recevant du public, tu nous diras juste après où est-ce qu'on peut retrouver vos réalisations? Oui, alors il y a beaucoup d'entreprises, donc c'est difficile dans les entreprises de donner des noms parce que de toute façon les gens ne pourront pas forcément rentrer. Donc je vais donner juste quelques restaurants, le Cirlam par exemple, Adrometas Carafon, les Suites du Lac qui était l'un de nos premiers clients. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou donc à Aix-les-Bains aussi, au bord du lac, en montant la côte de Saint-Yves. Et après, on a beaucoup aussi de nouveaux établissements qu'on a fait récemment sur Annecy, par exemple, le Pura Vida, qui est un restaurant vraiment sympa à découvrir, que ce soit à l'extérieur. On a fait l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est un super lieu. Il y a aussi l'entreprise le Pure Form, qui est un centre de loisirs sportifs, qui est à Saint-Joriot, donc à côté d'Annecy. D'accord. Là, c'est pareil, ils ont fait une décoration fantastique sur tout long de l'entrée et jusqu'avec un gros mur énorme là où il y a le côté piscine, détente. Donc là, ça peut être intéressant. On a aussi le Pocu, pareil, en plein centre de d'Annecy, qui est un restaurant qui fait des petits wok, des wok, je sais plus comment on appelle ça, des petits bowls, là. C'est toute une cuisine hawaïenne avec des produits naturels et tout. Et là, il y a deux murs, il y a un mousse boule avec un multivégétal dans la même pièce. Enfin, ça claque, quoi. Ça claque. C'est vraiment super sympa. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il me le disait, c'est vrai que les gens, du coup, ça résonne moins qu'avant. Il y a moins de bruit, il y a moins de brouhaha. C'est ce qui m'avait fait remarquer. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Top, top pour ces références. Et puis, on parlera aussi d'autres choses. Tu nous réserves aussi d'autres informations pour la fin de l'émission. Oui, mais on pourrait aussi parler des logos végétalisés. Le logo de l'entreprise dans le mur végétal, c'est la meilleure communication qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. C'est gratuit en plus. Carrément. Donc, profitez-en parce que ça, c'est génial. Carrément. Si on a 5 minutes pour le développer, ça sera top. On a 5 minutes pour le développer. D'ailleurs, on peut même là tout de suite en parler et puis on se garde un peu de temps pour la suite après la petite pause. Okay. Alors, ce logo, explique-nous parce que je suis sûre que ça peut intéresser beaucoup de monde. Le logo intégré dans le mur végétal. Tu parlais d'une chose très importante, c'est les photos des gens qui vont finalement se prendre en photo devant et qui vont publier sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça finalement qui est une super pub gratuite. C'est ça finalement. C'est ça, c'est Alors ça. Le logo, explique-nous comment il est fait. Il est fait avec les végétaux? Alors non, pas tout à fait. En fin de compte, le plus important pour n'importe quelle société ou que ce soit restaurateur, le plus important, c'est de faire venir des clients dans son restaurant. Et comment je peux faire de la publicité sans que je mette des moyens et payer des données des sous sur les Facebook ou les Google AdWords ou etc. où finalement ça va nous cliquer tant par clic ou finalement c'est en rentrant dans un système on n'arrive plus à s'en sortir après. Donc le côté naturel, c'est déjà on va faire de la décoration donc avec un mur végétal. Si vous avez un mur végétal dans votre restaurant, automatiquement vos clients vont se prendre en selfie devant. Ça, on en fait le pari, mais systématiquement, ça marche. Les gens, ils rentrent, ils voient le mur, ils vont se prendre en photo devant. Donc, l'idéal, c'est d'avoir en plus avoir un logo, qui est votre logo, finalement, dans le mur végétal. Donc, automatiquement, eh ben, ça y est, la blague est faite, entre guillemets, c'est que les photos de vos clients vont se retrouver sur Instagram, sur Facebook, naturellement, parce qu'ils ont partagé leurs photos, mais à côté de leur visage, il y aura le logo de votre entreprise. Donc finalement, les gens ils sauront où est-ce que ils ont été mangés finalement. C'est bête, mais c'est ça. Et donc votre publicité se fait naturellement, gratuitement finalement. Oui, finalement. Bon, faut payer le mur quand même. Oui, quand même. Mieux qu'on gagne nos vies quand même. Non, mais à part ça, c'est vraiment sérieux parce que c'est la meilleure communication qu'on peut faire sur les réseaux sociaux.
sans pour autant payer des clics. C'est ça. C'est fantastique. Et au-delà même de l'effet marketing gratuit, entre guillemets, parce que comme tu dis, bah, effectivement, il y a l'investissement de départ, mais au final, qui est largement rentable, vu le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi l'effet, encore une fois, de l'image qu'on va renvoyer en tant que restaurant sur les réseaux sociaux. C'est ça. On a l'image, encore une fois, c'est double bonus, je dirais. C'est double bonus parce que non seulement vos clients vont taguer automatiquement votre entreprise et en plus, ils vont avoir le logo de l'entreprise, donc ils savent exactement quel restaurant c'est. Ils savent peut-être pas le lieu, mais ils savent déjà quel restaurant c'est. Et après, entouré de végétal. Donc automatiquement, ils se disent... Bon ben j'irai bien manger dans ce restaurant parce que il y a le côté nature, donc ça doit être. Enfin c'est tout bête. Ouais. On assimile. Ça a l'air chouette. On va essayer. On assimile la décoration, le logo et peut-être ce qu'il y a dans l'assiette aussi. C'est sûr. Enfin voilà, automatiquement on va être attiré à aller découvrir ce lieu. Et on est de plus en plus sensible à ça. Et puis les réseaux sociaux, c'est vachement important maintenant. Oui, absolument. C'est quel professionnel ne veut pas communiquer sur les réseaux sociaux? J'en connais pas. Hein. Et puis c'est aujourd'hui tout le monde. Utilise les réseaux sociaux partout, tout le temps, et c'est effectivement une grande source de marketing. Bien sûr. Alors, le logo, je suis quand même curieuse de savoir, du coup, comment on l'intègre. Alors, le logo, nous, on va s'occuper aussi de votre logo, c'est-à-dire que quand on va faire un devis pour savoir combien ça peut coûter de faire un mur végétal dans son restaurant, dans son entreprise, on va vous demander trois choses. La hauteur et la largeur de la surface à végétaliser. Automatiquement, on va vous demander aussi deux ou trois photos de style de mur qui vous plaisent pour qu'on ait un peu la tendance de sur quoi vous voulez aller. Et après, la troisième chose, c'est donc votre logo vectorisé. Et avec ces trois éléments-là, on va pouvoir vous faire un devis complet entre la création, l'élaboration, l'installation de votre logo, parce qu'on va créer votre logo. D'accord. On va le mettre directement dans le mur et on va végétaliser autour de votre logo. Pour que votre logo soit pleinement intégré et correctement intégré. Il n'est pas juste caché, posé devant, il n'est pas juste rajouté après par la suite, il est réellement intégré. Et donc là, forcément, ça match parce qu'il est entouré de végétal, mais il est soigneusement entouré de végétal. Oui. Il est pas, voilà, on n'a pas fait les choses à l'envers. Mm-hmm. Il faut d'abord faire la structure de votre logo. Alors le logo, la plupart du temps, c'est un logo blanc, mais on peut faire de la couleur, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Là, on travaille avec un partenaire qui est un partenaire sur Annecy qui fait des logos. Donc voilà, on travaille, nous livre les logos et on intègre votre logo, on le végétalise et on le livre chez le client. Voilà. C'est top. Et comme ça, au moins, tout est nickel. C'est pas deux en un, c'est trois en un, là. Ouais, enfin, mais tout est intégré. C'est tout en un, même, je dirais. Voilà, c'est pas trois en un, c'est tout en un. On se fait une petite pause, Franck. Allez, avec plaisir. Alors, on va se faire une petite pause avec Superbus. Et juste après, tu nous parles d'une autre corde à ton arc. D'un futur projet. D'un futur projet. Mmh. Vous restez avec nous, on est ensemble sur le 92.1. On est ensemble jusqu'à 14h dans votre émission Tendance Déco. On se laisse une petite pause musicale avec Superbus, à tout de suite.